J'ai le filon. C'est trop sale, c'est dommage. Arrêtez, vous me stressez là. Allez, lève tes mains, les gars, vous pouvez descendre. Derrière aussi là. Oh mais tiens, c'est les clon clon. Je suis américain, c'est eux. C'est eux, je suis américain. Vas-y, tais-toi, on sait que t'es avec eux, toi. Allez, les clon 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 creeps. Les mains en évidence, tu vas au sol. C'est A-Tray. Tu vas au sol. Les A-Tray. Au sol, connard. Voilà. De vrai, ils sont assez. Allô. Elle s'est pas réveillée, je crois. Ouais, vas-y, dégoûté. Ouais, moi aussi, je suis dégoûté, frérot. Là, on aurait eu un putain de date, cousin. Cousin, on aurait eu un date. Non, la vie de ma mère que non, cousin. Je voulais dormir entre. Mais oui, la vie de ma mère, cousin. Y'a pas de. Elle serait venue en robe, là, j'aurais arraché que les dents, putain de sa mère, cousin. Là. Ah ouais, carrément. En loup, là, tu vois pas là. Mais laquelle? Mais ketchup ou mayo, toi? Ketchup ou mayo? Ketchup, mayo, je mélange tout, ça fait de la rissa, cousin. Vas-y, je t'en prie, je sens un gros truc de fou là. Ils sont pas armés, ils ont rien là. Jure. Ouais, non, vraiment, ouais, j'ai de la cocaïne sur moi là. Nous, c'est calme de fou malade ce soir. Vraiment, vraiment. Vas-y, Maïji. On a chopé vos voisins. Qui ça? Les bleus là, Krebs. Mais c'est des merdes, cousin, c'est des petits frères. Vas-y, ciao, ciao, ciao. Oh putain, oh là là. Combien? Bon alors, je sais pas, une trentaine. Dans son cul. Ah ouais, ouais. Putain, dommage. Ah la dinguerie, dans son cul. Mais c'est le seul qui a dit que j'étais américain, c'est une dinguerie quand même ça. Je suis américain aussi, hein. On est tous des afro. On est tous américains. Ouais, c'est grâce à la musique, BLM. Les gars. C'est BLM. Lui aussi, il a la cocaïne. Il a 50 pochons, lui. Alors. Mais des vrais agents, pas bah tiens, des agents. 01, tu t'occupes de l'agent qui a tous les pochons là. L'agent? Quoi? Il y a la personne. La personne. Ouais, j'ai bah non, mais. 40, tu vas en prendre un aussi. Y'a qui là? Y'a lui qui a des pochons, y'a lui qui a des pochons. Bah c'est bon, on est bien. Lui là. Lui, il est bien. Lui. Ça va ou quoi? Bah tu verras moi que c'est le bon. On va prendre lui quoi, frérot? Toi, tu vas venir à la prochaine là-bas, s'il te plaît. Non, bah je suis. Et le dernier, bah Riz, tu prends le dernier. Je crois que je vais aller dormir, il est 2h. Il a rien sur lui, ça va prendre 2-2. Ça va Jessica? Ça va et toi? Moi c'est mais je pense c'est l'effet de la musique. Attends mais lui on doit le déposer lui, je l'ai oublié. J'ai fait exprès. Tu viens dans le coffre BCS Roman? Viens dans le coffre, t'inquiète. Vas-y, j'ai fait exprès de me laisser attraper les gars. Oui, allez, Action Crabs. 95. Ouais, mon regard. Le nombre de temps qu'elle a duré, ça m'étonnerait. On a dit de temps en temps on reste jusqu'à 5h du mat. Mais tu vas à Lille moi demain, t'as rien? Non. Et si c'était ce soir 95? Non, je vais à Lille. Pourquoi Jessica? C'est bien, 5. Allez, Minos. Sur un truc? Les gars, j'ai ma femme à. Allez, ravagez. Vous êtes là, c'est ça? Il faut que je l'appelle et on va la poser au Bahama, je pense. Non, pas encore, c'est trop tôt. Non, Minos, s'il te plaît. Non, pas encore. Mets-lui un steak, Jessica. Mets-lui un steak. Steak? T'oserais pas. Mets-lui un steak, t'as plus derrière la nuque. Ne le mets pas. Tape derrière sa nuque. Hop là! Voilà. Aïe! Comme t'as fait le claquer bien là, fais le claquer bien, Jessica! Fais le claquer bien là! Vas-y, go! Mais on atteint les 100 subs ce soir là! Vas-y, go! Quoi, putain, lâche-moi! Et mets-lui un steak, Jessica! Je me sacrifie, c'est quoi, reste 20, 25 subs! Tu lui claques la nuque! Sinon, les gars, je vais à Lille demain! Aïe! Qu'est-ce qu'il y a là? Tu l'as mis une claque! Une claque! Il a mis un steak! J'ai même pas eu mal, je fais semblant! Attends, je vais t'en mettre un, moi, tu vas voir! Non! H-Train Crips. T'as pas de casse toi aussi? T'as un casse H-Train. Première fois, je vais l'attraper. Non, dis la vérité. Tu voulais faire celle-là. Non, je te jure, encore. Let's go! Allez, encore 16. Merci à toi, Svan!
Merci beaucoup, Zvan. Merci, merci énormément. Merci énormément, mon ref. Va contre le mur. Ah, merde, pardon, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Merci beaucoup, Zvan. Tiens, pardon. Tiens, désolé, c'est parti tout seul. Aïe. Putain. Arrête de chialer. Personne qui dit rien là. Mais du coup, les gars, quand vous arrivez à une usine de poulet, plus discret la prochaine fois. Non, vous savez, vous pouvez passer par derrière. Et collez-vous à cette putain de vitrine. Oh, jure, tu m'as pris un truc, putain. Ah bah vous pouvez passer par les rails la prochaine fois. Mais c'est magnifique, toi. En fait, j'avais une envie pressante, j'étais parti pisser, c'est pour ça. Ah ouais, parce que les gars, vous êtes passés par devant en courant, vous êtes les mecs les plus grillés de la terre. Écoute, tu veux que je te dise un truc? Mais vous. Celui qui avait les clés, il était parti pisser, on était bloqué. Ouais, c'est ça. Bah ouais, parce que franchement, moi j'étais. Sérieux, t'es vraiment beau, hein. Merci, t'es un bon. Moi, tu me trouves comment, ça va? T'as vu? Bah toi t'es. Merci le petit Marseillais, merci beaucoup, non, merci non, à toi mon ref. Oui, il est beau, mais. Ah, encore, je suis nul en calcul, je sais pas combien encore. Gens, moi, personne me ressent. Je suis nul en calcul. J'avoue, il y a un truc. Arrêtez de m'éclairer là. Ouais, mais ce qui vous a niqué, c'est quand vous êtes sorti de l'usine de poulet en fait, c'est complètement débile. J'ai envie de le défoncer si. Non, alors que vous passez par les rails derrière, je vous jure, on vous avait même pas. Enlève ta cagoule déjà, toi. Non, mais nous, c'est un mec qui nous a eu au niveau de l'armurerie qui nous a vu. Eh oui, mais non, moi je vous avais vu, c'est moi j'ai donné le call, frère. En fait, j'étais parti pisser, on devait partir tard. Yo, moi je sais pas, vous êtes qui, yo, je crois que vous avez pas de chance parce que vous voyez cet oracle là. Lui, j'ai voulu courser dans son quartier, il est parti en courant. C'est une oracle qui a voulu buter des policiers. 95, tu trompes de personne. 95, tu te rappelles le quartier des H-Train Crimps? H-Train Gangster Crips. H-Train Gangster Crips. C'est le mec d'hier, C'est le mec que j'ai coursé. Mais oui, c'est les gars qui étaient sur le toit avec qui j'ai parlé. 83 Gangster Crips. Oh là, tu mélanges un peu, toi. T'étais pas à l'hôpital, toi, hier, non? C'est les H-Train Crimps. Je sais pas comment on parle. Il nous a bien niqué, sale bâtard. Pas d'enfoiré, il est trop nul. Tu nous as bien niqué hier, enfoiré, va. On est allé jusqu'à l'hôpital. Non, il est jamais venu ici. Bon. Tiens, toi, viens. Je vais dire tes droits. Bah, fais-le au 3 directement, je pense, hein. Ah non, ça, c'est non. Ah ouais? On revendique okay, ici. Est-ce que tout le monde a les procédures qui sont faites dans les règlements? Wow! Oh, il a touché! Il lui a mis une balle! Il a touché! Il y a du sang dessous. Arrête, là, il s'en sort. Il y a du sang. Il a tiré. Non, je c'est pas fait exprès. Je vais ranger mon arme. Il a tiré dessus. On se tait. Quand on est flic et qu'on voit quelqu'un se tirer dessus, on appelle les médecins. On dit pas. Il a tiré dessus. Quelqu'un a appelé les médecins. Oh mon dieu, je les appelle. Voilà, merci. J'ai pas besoin d'appeler, arrêtez-vous. Oh, c'est quoi? Ça sert à rien d'être tous autour de lui, hein. Fuck yo! Ah, pourquoi t'as fait ça, man? Shit! Pourquoi t'as fait ça? Fucking creeps, bro! Pourquoi il se moque de nous, lui, putain? Yo, man, shut the fuck up, bro! Fuck yo! Pourquoi tu m'as tiré dessus, yo? Est-ce que j'ai fait exprès? Il l'a fait exprès. Techniquement, t'as pris ton arme, t'as tiré, hein. En plus, quand il a voulu la ranger, le coup, il est parti seul, arrête de m'appeler. Quand il m'a dit viens, il a visé, j'ai pas fait exprès. Zéro, vous l'avez tiré dessus? Oui, je vous jure que non, je voulais ranger mon arme, le coup il est parti seul. Si, il a tiré. Il a tiré, il a tiré dessus, la personne a blessé, mais il a pas fait exprès. Il a dit je vais te fumer le petit Renoir. Mais vous êtes sérieux là? Ah putain. Non, je vous jure ça va être. Zéro. Oui, hier j'ai ken ma voisine, mais j'ai pas fait exprès. Ok, oh, là je fais un coup en mode compresse, pardon, et on va attendre que le médecin arrive, ok? Oh putain, Tu l'as vu, j'ai pas fait exprès. Man, t'as fait exprès, je t'ai rien fait, moi, putain. Moi non plus, tu m'as rien fait, je te tirerai dessus. Allez, moi je vais vous laisser, hein, bon courage à vous. Tu y vas? Vas-y, mon ref. Putain, man. Tu veux un véhicule pour bouger, un truc comme ça? Je veux bien un truc de merde, n'importe quoi. Bah va, tu vas dehors, tu braques un citoyen. Ouais, tranquille. Allez, force à vous. Merci à toi, Jester, à la prochaine, mon ref. Ah putain. Y'a pas de médecin ou quoi? Chester. Oh, putain.
Oh, en plus, ils m'ont pas pris mon arme, je voulais péter un câble. J'ai fait un call au 112, mais ils répondent pas. Et du coup, j'ai mis une pause. Enfin, je leur ai dit qu'on était au poste de police. J'en ai marre, c'est vécu. Pas de RP jusqu'à 5h du mat. Ah bah oui, il manque à ton sub, hein. On va attendre là. Naya, t'en penses quoi? Eh, dors, Miskina. Ah, vous savez, c'est très... Je l'ai réveillé. Ouais, c'est Derek, c'est pour passer en bas, il faut là. Oh non, mais je l'ai réveillé à cause de vous, frère. On va partir en arrière, là, comme... Voilà. À cause de vous. Je l'ai réveillé. Oh, Miskina, à cause de vous, je vous jure, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, les gars. Oh, ça va? Eh, hey, toi, t'es enquêteur, toi, c'est ça? Hein ouais, ouais, bien voir. Ah, mais toi, c'est sur les meurtres, toi. Ah, moi, c'est Dédé, ouais. Ouais, parce que les Kélé vendent des armes, hein, au cas où. Et, Oh, là, ça, j'aime bien ça. Et Christopher, on l'a retrouvé avec un fusil à pompe qui braquait tout le monde, qui braquait un citoyen. Et il a réussi à se sauver. Kélé. Et il a réussi à se sauver. Et il y a un gros patriote, de type pick-up là. Imagine qu'il l'a récupéré entre son fauteuil roulant et ta voiture. Si jamais il y a aussi les SO qui sont vendeurs d'armes dans le lance. C'est bien là. Il y a les Kélé aussi. Okay. Attends, viens. Et on a récupéré 5 armes sur Thomas. Ça marche normalement, je crois. Qui ont acheté les armes au Kélé. Attends, c'est bien. Ouais, je sais pas. Et 04, je sentais qu'il y avait un truc avec ces meufs là. Non, non. Bah, comme quoi? En fait, elles m'ont vu et elles ont, tu vois, elles ont paniqué. Ouais, ouais, ouais. Elles ont paniqué, elles disent c'est qui eux? Et après, boum, elle a bombardé. Course les mon ref. Il y a un problème. Volant, accident. Elle s'est pris un poteau toute seule. En plus, ok. Tant pis. Qui s'en rappelle, chat? Bah, c'est une bonne soirée qui s'annonce là, c'est bien. Mais tout droit, mais toute seule, je te promets, personne l'a compté. Boum, elle s'est pris un mur. Ah, tant pis. Elle est en panique. Non, bonne prise aujourd'hui, bonne prise. Ah, c'est bien, t'as fait du bon boulot, c'est bien. Ouais, on est bon là. Du coup, il y avait beaucoup de drogue ou pas? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je dirais pas des masques. Mais vous êtes arrêté par à cause d'un pit, c'est ça? C'est un petit go-fast en la vrai. Drogue, je m'en fous un peu. Après, en vrai, de vrai, les mecs, on leur a laissé pas mal de chances. On leur a laissé 5 chances. Mais je trouve qu'on était beaucoup sur la course-poursuite quand même. Non, on est 3. Non, ouais, 3, sur la fin, sur la fin, mais à un moment. Et même on moi, était tu vois, 5. Même moi, l'hélico, je venais même pas, tu vois, je restais mais, juste autour. Mais à un moment, on était 5 sur eux. En fait, le problème, c'est, t'as vu, on fait les calls, mais les gens, ils. Non, tu sais ouais. Pourquoi, tu sais pourquoi, 04, tu sais pourquoi. À un moment, on était 3 sur eux et tu continues à donner les calls de où on était. Du coup, les gens, ils pensaient qu'on n'était pas assez. Ah, c'est pour anticiper, c'est pour les barrages, ouais. Ouais, je sais, mais vu que les 3, on était regroupés, ça sert à rien. Tu comprends? De toute façon, 04, j'ai tout remis en place pour les barrages, on va s'en occuper. Merci beaucoup pour vos conseils, 95. En gros, c'est de la faute à 04, quoi. Non, c'est pas de sa faute, mais on apprend avec le temps, t'inquiète. Et pourquoi lui, je lui dis rien, 04, lui, il n'en prend pas les règles? 95, c'est moi? Non, il parle de lui. Bah non, lui, c'est un enquêteur. Moi aussi, je suis un enquêteur. Non, toi, t'es un agent terrain. T'es jeune, t'es... Te rappelles quand on t'a posé la question? T'es un agent terrain, toi. Toi, t'es un mec qui encule des mères. Putain, on peut jamais rien faire dans cette télé-studio. Allez, viens, on va voir les clés. Faut ranger le pompe série. Mais quoi, tu veux voir j'ai droit parce que j'ai le droit parce que je suis celui qui a le plus haut win rate de prise d'otage. Non, c'est Charlie pour le coup. Non, c'est moi, je te promets, on a fait les stats. C'est je te jure, Charlie, elle remonte. Hein. Me fait chier, quoi. D'être top 2, top 3. Non, je sais pas, c'est un flex que j'ai maintenant. Je suis top 1, genre, je crois que je suis à. En vrai, hein, je crois que je suis à 1,8 de ratio. Achetez-vous aussi une paire de lunettes, Riz, nouvelle là. Oh non. Là, les vieux remus, celle-là, ça y est. Elle voit un nouveau look. Nouveau look. Oui. C'était les lunettes de William McCall, je peux pas. Nouveau look pour un nouveau Riz. En plus, la tête d'homme, c'est vrai en plus. Bah oui, c'est vrai. Je viens de capter. Par contre, il y a un suspect qui s'est fait tirer dessus par un agent, donc c'est le procureur. Nous, on doit aller voir les Kylés. Bon. 95. Bah, vas-y, bonne soirée à vous, je les jeune là. Vas-y, viens, on va voir les Kylés. Il a tiré dessus, il a pas fait exprès. Si tu sens un truc dur, si tu penses. Je peux te poser une question, bref. Quoi? Bon, allô? Bon, je vais t'arrêter sous X. Mon ref, oui. Est-ce que si tu tires sur un civil, tu peux dire j'ai pas fait exprès? C'est comme début de soirée, il y a encore une évasion, quoi. C'est bizarre quand même, non? On est d'accord? Oui, la phrase j'ai pas fait exprès, elle est bizarre, ouais. Ouais, c'est bizarre, genre j'ai pris mon gun, j'ai rafale et j'ai pas fait exprès. Oui, mais j'ai pas fait exprès, ouais. C'est bizarre. C'est bizarre, après, tu peux ne pas faire exprès, mais ça veut pas dire que t'es irresponsable, quoi. Non, oui. Bah, c'est bizarre en RP. T'as faute, t'es le... Non, mais t'as vu comme elle plane dans l'air? Regarde. Je vois. Regarde comme elle reste. Par contre, faudrait la boost. Je
lui a dit bonne nuit, à demain, stay safe, God bless tout le monde. Et bonne nuit 04. Bonne nuit 04. Bonne nuit 04. Bonne nuit 04. Moi, 04. Moi, 04. T'es le meilleur. 04. 04. 04. 04. C'est dommage. Car j'étais un bon gars. Mais je suis devenu. Eh ben oh, bon, vous avez pété les points, quoi, là. 94, 94. On regarde avec Woodman, hein. Wouhou! Kick-tack, kick-tack. Bouge la classe, ça fonctionne! Elle tape à la bonne autolose! Est-ce malade, c'est la femme, Innova Kate? 30, calme-toi. C'est pas ça, c'est la buse. 30, Adriana, calme-toi. Sans très chaud, pas de rendez-vous, là. Faut doser. Allô? C'est bon, stop. Ouais, Jessica. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? C'est qui? Vous êtes qui? Moi, c'est Clé, moi. Enchanté. Clé, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas toi qui a un truc en pompe tout à l'heure? Ah, pas du tout, non. Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Kaya. Hein? Bah, c'est Kaya. Oh, Kaya. Ça va, Kaya. Allez. Messieurs. Tout ça n'est qu'un malentendu. Y'a pas de malentendu. Y'a pas de malentendu. Allô. Tout ça n'est qu'un malentendu. Y'a pas de malentendu. Oui, c'est qui? Écoutez, messieurs. On vous a trouvé, on vous a niqué, c'est comme ça dans la vie. Hein. Mais non, mais ça a rien passé. Si, c'est passé. Écoutez-moi, on peut s'arranger. Ouais, vas-y, on peut trouver. Attendez, je vais juste couper mon téléphone. Je sais des choses, d'accord, qui pourraient potentiellement nuire à peut-être des amis à vous. Ou alors des collègues, j'en sais rien, bref. Donc c'est des menaces. Vous savez... Non, c'est pas des menaces, laissez-moi finir. Vous savez, bah, je pense que vous êtes pas dupes dans le monde dans lequel on traîne, ça s'évite les choses. Ouais. Bon, on m'a parlé d'une certaine Kendra, de Riz, du commandant... Vous avez qui vu font tout des ça, choses... C'est pas sérieux, c'est il y a deux jours. Mais c'est périmé tout ça, c'est bon, on pense à... C'était il y a deux jours, comment ça c'est périmé? T'as pas froid, Nuisette? Bah ouais, mais là c'est périmé tout ça, hein. le dossier Ripouflic, c'est périmé. Ok, t'as autre chose ou pas? Bon... Ah, qu'est-ce qui vous arrive, plaisir? Je t'explique. Ouais, là, en fait, il était en train de me menacer. En gros, laissez-nous tranquille. Non, c'était pas des menaces. Laisse-moi terminer. En gros, les gars, parlez pas, sinon on sait que Kendra c'est une ripou, on sait que l'autre c'est un ripou, on sait que l'autre c'est un ripou. Non, oh là là, non. Là, c'est ce qu'il essaie de faire, là. Mais non. Écoutez-moi, on peut s'arranger, tout ça n'est qu'un malentendu. Ah, je suis mort. C'est pas ce que vous croyez. D'accord. Qu'est-ce qui vous fera plaisir? Bah de choper Christopher personnellement. Clairement. Lui, ouais, là en vrai là. Lui je vais pas le lâcher. Hein. Je vais pas le lâcher. Bon. Si je vous apprends. Allez de recherche sur lui, hein, je te dis. Non mais si je vous apprends, Christopher il est mort. Il est pas mort, il est pas mort. Oh bah je m'en bats les couilles, je vais le chercher quoi. Mais tu vas le chercher mort quoi. Ouais, je m'en fous. Tu vas te chercher dans sa tombe. Eh, sache une chose, tu sais on appelle comment dans le jargon, le pitbull? Ouais mais enfin mettre en prison un cadavre c'est compliqué quand même. Et c'est pas à cause de son physique hein, tu vois ce que je veux dire, c'est pas à cause de son visage quoi. Quand j'ai quelqu'un dans la mâchoire je lâche plus. Et là clairement Christopher est dans la mâchoire. Il nous a pris pour des cons, d'accord. Il a fait le mec, il a utilisé un subterfuge à la con avec des pick-up de merde. Ils sont montés dans des montagnes je sais pas quoi là, il dit je vais pas aller. Attends comment je t'appelle Clay toi? Oh moi c'est Clay. Mais est-ce qu'il y a pas plus grand au final que Christopher? Ben en fait, vraiment, je vais t'expliquer. Parce que je crois que t'as pas notion de la situation là. T'as vu, on l'a pris en flagrant délit en train de faire une transaction d'armes avec 6 pistolets. Voilà, je la caresse, elle est morte. C'est normal ça? Ah ouais, d'accord. J'ai passé le CP. C'est normal ça? Ok. Ça, puis après, 20 minutes après, on retrouve avec une AKU dans les mains, en train de voler une voiture. Tranquille, même AKU. AKU. Non mais vous êtes sûr, vous avez bien vu? Je peux pas épeler AKU. Pour elle, c'est vraiment un anagramme. Ah, mais déjà, si vous êtes sûr, vous avez un peu mal aux yeux à ce moment-là. Non, sûr, j'ai non, sur 10 sur certains, on l'a vu devant nous, alors là. Ok. Mais finalement, ça, c'est rien comparé à d'autres choses. C'est rien comparé à ce que vous pouvez faire un peu comme plus gros. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que t'essayes de faire là? Bah, je sais pas, j'essaye qu'on trouve un arrangement. Ce serait pas toi avec le patriote qui est venu les sauver par hasard? Non, c'était Floyd. Quoi? Qui est venu les sauver avec le patriote?
Ah alors on n'a pas de patriote, non. Mais je sais pas, un gros patriote belge, non, un gros pick-up. Je sais pas, on n'a pas de patriote, non. Donc, ah ok. Non, je sais pas, je me pose la question. Non mais je sais pas, vous êtes pas sur des plus grosses affaires. Ah non, c'est notre plus grosse affaire. Bah franchement, non, regarde, je t'explique. Il y avait les maillades. Attends, ouais. comme ça tu vois un petit peu le schéma, d'accord? Ouais. Au bout d'un moment, notre plus grosse affaire, c'était les maillades. Là, ça y est, on les a tous éteints, ils sont tous morts. Après, notre plus grosse affaire, c'était Epsilon. Et là, ça y est, on a éteint la plupart. Ils sont...